I've kept your flesh safe, foundling. On va tout simplement esquiver les ennemis, honnêtement. J'ai fait que courir. J'ai esquivé tous les ennemis. Voilà. Je sais pas, quand on arrive à ce point-là où esquiver les ennemis, c'est beaucoup plus simple et plus rapide, bah c'est un peu con, quoi. Je trouve ça très con. Donc, ouais. Tout ce qu'on va faire. Il y a un téléporteur sur la gauche, je crois. Ou c'est juste une décoration. Non, c'est peut-être... Quoique... Non, c'est un téléporteur, en fait. Donc ouais, passer 30 minutes à refaire le chemin, là, en tuant les monstres. Et puis à un moment, je me suis dit, ouais, pourquoi pas tracer. Donc on en est là. C'est bien. Je sais pas, quand on en arrive au point où on préfère ne pas jouer au jeu. Parce que là en fait j'ai pas envie de jouer au jeu du coup parce que je suis en train de d'esquiver tous les monstres. Et surtout que c'est beaucoup plus simple en fait, et beaucoup plus rapide. Genre là en 2 minutes je suis passé, alors que ça va faire 40 minutes que j'essaye de passer parce que en tuant les monstres. Parce que à chaque fois en fait c'est que de la bullshit en fait qui se passe. Honnêtement. Enfin bref. Fate is not ours to defy, only to fulfill. You're chosen, as am I, brother. As is the unborn, ordained by the infinite. Perhaps you'll understand one day. In death, I shall find a new purpose. And your purpose, twisted and malevolent as you are, will light the way. Ok. Non mais pour être honnête, ouais non, c'est... Honnêtement, je suis sûr que si on me donnait le projet du jeu, je pourrais... corriger plein de choses et le rendre vraiment bien, parce que... Là, il y a tellement de défauts.
Enfin bref, après les gens vont dire mais il est bien le jeu. Oui, mais moi j'ai joué à d'autres jeux mieux. Donc bon, eh oui. Surtout que là il y a du potentiel. C'est ça le truc triste. Les ennemis mettent 3 heures à réagir, pourquoi je me ferais chier à... Pourquoi je me ferais chier à combattre? Hein? Pourquoi pas juste courir? Puis après c'est sans parler du fait qu'il m'ait donné Thiel qui a genre endurance infinie quoi. C'est où faut aller? Là-bas. Et encore, là je l'ai pas hein, mais... Ça sera encore pire avec Thiel. Hein. Le problème, c'est que si je meurs, je risque de recommencer un long chemin. Et comme j'ai dit, le gameplay est pas parfait. Du coup, c'est pas fun en fait. De rejouer plusieurs fois. Si c'était fun, je m'en fous de recommencer 3 milliards de fois. Ça me fait pas peur, genre la farm et les trucs comme ça me fait pas peur. Mais là, il n'y a pas de... Non, là c'est à cause du... Ah ben c'est là. C'est à cause du gameplay en fait qui est pas bon. Il y a un objet là-bas? Non, c'est le reflet. Voilà. Pourquoi jouer au jeu? Là, je l'ai bien prouvé. Pourquoi jouer au jeu? Alors qu'on peut... On peut passer sans problème. Enfin, bref. Du coup, qu'est-ce qu'on augmente? C'est vrai que l'épée devient vraiment l'arme un peu par défaut. Par contre, on va prendre ça. On va donner ça. Marteau et burin. Alors, fais voir l'attaque. Ta case ennemie, vous activez une puissance capacité d'arme. J'aime bien aussi les descriptions. En attaquant les ennemis pour activer une puissante capacité d'arme. Voilà, c'est toujours une puissante capacité d'arme. Je sais pas, explique-moi peut-être ce qu'elle fait. Genre si elle fait du poison, si c'est une attaque à distance, si c'est une attaque corps à corps. Ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal. Là, tu me mets une image. Bon, apparemment, on balance le pieu. Moi, c'est ce que je vois. Genre le burin, on le balance. C'est ce que je comprends. Mais bon, je suis pas sûr. On peut augmenter l'arme. Ouais. Je sais pas. Moi je trouve que cette épée en fait elle fait le café. Honnêtement j'en ai marre de l'utiliser. Mais c'est la plus intéressante hélas. Genre depuis le début du jeu on a ça. Depuis le début du jeu on a ça et ça veut pas changer quoi. Marteau et burin, c'est sympa, mais au final... La grande épée est sympa aussi, mais... Si on se fait toucher, on est souvent bloqué. C'est quoi ce bruit? Un dragon? Il y a des bestioles là-haut. Ah, là, peut-être, ça va être un peu plus drôle. Là, on va peut-être un peu passer un meilleur moment. Lien de sœur. C'est quoi ça? Utiliser une fois sur le détail pour cet objet. Ah, parfait. On peut avoir... du coup, c'est le lien de sœur.
Ah, du coup, ça me dit pas quel objet je remplace. Parce que honnêtement, les symboles, j'en ai rien à foutre. Du coup, j'ai mis quoi là? C'est celui-là. C'est épée sanctifiée. Non, moi, il me faut épée du martyr. Voilà. Voilà. Maintenant, là, ça devient intéressant. On va pouvoir switcher entre les deux. On va tester, comme ça on va tester la... l'attaque. Là. Ah putain! C'est fun, mais 100 de dégâts, c'est un peu nul. Non? Enfin 100, c'est peut-être bien, j'en sais rien. Je suis bloqué. Pas mal ça, pas mal. Ah oui, du coup il faut... consommable. Hop. Voilà. Cette attaque marche bien. L'autre, pas trop en fait. Bon, là par contre, est-ce qu'on a une cloche d'argent? Parce que là, on peut combattre en fait. Ça peut mieux se passer. Non, j'ai pas de cloche d'argent. Je sais plus ce que ça faisait. Ah oui, gain de détermination, on s'en fout. Ah non, j'ai pas de cloche d'argent. Ça fait quoi ça? Registre éthéré. Vous permet de récupérer votre enveloppe après être mort. Croyez-vous déterminer sur ceux qui sont familiers avec la diminution. D'accord. Enflamme l'ennemi, j'ai cru lire. Prochaine parade, enflamme l'ennemi en cas de réussite. Il y a aussi la grosse masse là que je voudrais bien récupérer. Je voudrais bien la trouver. Honnêtement, j'aurais peut-être envie de regarder internet pour savoir où elle est. Bien. Non, ça. J'ai l'impression que j'arrive pas à la faire. Bon, hein. Faut peut-être que je fasse R2 avant. Je le fais en même temps, ça veut pas. Hein. J'avais même pas eu qu'il y ait des pièges. Ouais non, ça veut pas hein, le faire directement la deuxième attaque. La deuxième attaque est très très chiante à sortir.
piège. On peut déjà rentrer. Ok. Ouais, peut-être R2, L2 avant. En même temps, si je le fais en même temps, je fais souvent en fait la pétrification. Là. Voire tout le temps en fait. Donc non. Donc du coup, il faut faire R2 avant. Intéressant. What a relief. I feared you might never return. Or worse, that you've been led astray. Now, bring it here. Yes, closer. That fragrance. It's almost enough to revive the memories of the frantic past. The true nectar from this sacred land holds but a fraction of its potency. How many unprepared minds have been shattered by consuming this pulp? I'm rambling. Don't mind the idle chatter of an elder. You have one final temple left to discover. Hurry on, and return to me. Alors, Sauterny... Et quoi maintenant? Alors, Tressé. Le vieux prisonnier a infusé votre seau avec du nectar véritable qu'il a extrait de la glande Tressé. Vous êtes plein de détermination, votre riposte manipulera le temps à votre guise. D'accord. On peut tester. T'as pas... Ah oui, du coup tu m'envoies où maintenant? You're back, empty-handed. I'm afraid I have little to offer you without a gland to prepare. Ok. Bon, bah de deux, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est cette arme que je voudrais, la masse, là. On va regarder où elle est exactement. J'ai envie d'augmenter ça. Ballista Zuka.
vois pas vraiment de combien. Putain, en plus j'en avais qu'une seule quoi. Alors fais voir où t'es allé. Je sais pas si on fait. Si on fait une excursion pour voir la où va la masse ou pas. Genre l'effigie en feu. L'effigie en feu, j'ai dû le voir. Attends. On va recommencer. C'est quoi en premier? C'est. Ouais, c'est une sorte d'effigie avec des bougies. À droite de l'effigie en feu. You again, stranger. I thought you'd been eaten by that creature in the tower. If you enjoy hunting in the fog, I can call it once again. Simply bring me a glimpse. Any glimpses at all will do. There's few pleasures quite like a glimpse of another life. You can get lost in them. Forget your own troubles. Sometimes I forget which memories are mine. But no matter. They are mine now. Do we have an accord? I can't say I... It's not an easy hunt. Je pense que c'est pour aller ouvrir les coffres. Pour rappeler la brume, parce que c'est que à ce moment-là qu'il y a les coffres qui sont ouverts. Par contre, le mec, il... sa voix là, où il se force à parler comme ça, là... Je suis pas vraiment fan. Je l'ai tué l'autre, son pote ou pas? Je sais pas si je l'ai tué. Donc on est à la recherche d'une effigie en feu. Ah, peut-être à droite là. Ouais, c'est là. Allons voir. On est allé à gauche. Enfin, on s'en fout, on va se continuer là. Ah, ça marche mieux, hein. R2, L2 en fait. Genre R2 en premier et après L2. Ça marche nettement mieux. Ouais, genre ces coffres là, il faudrait les ouvrir. Il faut passer en brume, j'imagine. Donc le mec il est passé là, mais nous aussi on est passé là, hein, je connais ça. Ah, peut-être à droite, on n'est jamais allé à droite en fait. Jamais aller tout à droite. Ouais. Enfin, je pense que si. Mais on a dû se faire tuer et puis après je suis jamais revenu. C'est pas ça que je voulais faire. Par contre, est-ce qu'on reste Solomon ou pas? On va essayer de le parer. Oh mon dieu, ça a pas marché, putain, je déteste ce jeu, quoi.
putain! Horrible, horrible. Ok, on a un village à droite, enfin un camp à droite. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah, du coup, ouais. Il y a plein de coffres, on pourrait y aller en brume en fait. Ah, il y a plein de coffres. D'abord, je voudrais récupérer l'arme. Puis après, on verra. Ah bah c'est là qu'il est allé le mec, ok. Alors on va d'abord aller faire le village en bas, enfin le camp. Ouais non, et là il faut y retourner en brume, mais ouais, j'espère vraiment, j'ai peur que l'arme, la masse là, elle a l'air massive, sans jeu de mots. Et j'ai peur que ça soit une arme aussi lente que la grosse épée à deux mains qu'on a déjà. Désolé, mais pour moi, c'est l'arme la plus fun, en fait, maintenant. Ouais, c'est vraiment devenu l'arme la plus fun à jouer. Ok, on a une grotte, là. Elle consomme très peu d'endurance. Il y a des objets encore. Elle consomme très peu d'endurance, donc pour Solomon, du coup, ça résout beaucoup de problèmes. Merde. Merde, deux fois. Si j'avais mieux joué, on se serait même pas fait toucher. C'est pas grave. Attends. Là en fait on va pas dans la direction de la masse. Ça m'embête un peu. Mais bon, c'est nouveau donc on avance. Ouais, on va rester comme ça. Preuve du contraire, ça reste l'arme la plus intéressante. Et maintenant on peut la prendre quand on veut. Oh mon dieu, putain. Faites-le ramper plus vite au moins. S'il n'y a pas de gameplay, monsieur les devs, s'il n'y a pas de gameplay, genre il n'y a rien qui se passe, faites-le ramper vite. Il y a quoi? Il y a une créature. Ah mais non, c'est là, ok d'accord. C'est le où on avait combattu le petit boss. Est-ce qu'on reste avec Solomon? Ouais, j'ai envie de dire ouais, je commence un peu à bien m'amuser avec Solomon. Le truc c'est qu'avec l'arme rapide, bon, ça résout le problème de l'endurance, comme j'ai dit. Et après, le fait qu'il puisse avoir la détermination aussi facilement, ça rend le gameplay avec ça assez simple en fait. Parce qu'on peut spammer les habilités et tout. Ah putain de merde quoi. Et elles font assez mal. Puis on a une attaque de loin qui fait très mal. Et on a une attaque AOE. Après c'est un peu compliqué de voir les dégâts de l'attaque AOE honnêtement. Parce qu'il y a plein de piquets et puis la caméra elle fait n'importe quoi. Donc ouais. Mais ouais. Allez on avance. On a 6 soins. Faudrait qu'on utilise nos goudrons pour le marchand, honnêtement. Faudrait vraiment qu'on commence à acheter des consommables en masse.
Bon, en théorie, on est là. Hein. On est au bon endroit. Ah, on va sûrement devoir combattre pour récupérer la masse. Merde. Genre un mini-boss, là. Qui va, du coup, utiliser la masse, je pense. Ah bah. Oh putain, il est défoncé, le mec. You've kept me waiting, foundling. Do not worry. Tis only a jest. This path ahead is littered with monuments to suffering. Thought I might lighten the mood. Not that I've ever had much talent for humor. I once knew a man who took the sacrament of ashes. He laughed all the time. Now I'm rambling like an old crone. You're here for another sip, aren't you? Ouais. Du coup, c'est ça qu'il nous faudrait. Mais il nous faut 15. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, bah oui, du coup, elle, parce que elle, elle va nous vendre des objets aussi. Alors, 15. Je suis obligé de prendre ça, du coup. Yes. It would be laughable if it were not so lamentable. These so-called seers wield icons and contraptions they do not understand. They uphold laws they ignore as needed. And yet, they unearthed a tablet like nothing I'd seen before. Is this what you found? The promise of the unknowable? Yes. Perhaps it's time to make some new memories? Perhaps it's time to... Ouais, merci. Alors, dégâts finir, durcé, converti en santé. Alors ça, c'est bien. On pourra en acheter. Ah oui, il y a les masques. Je sais toujours pas ce qu'ils font. Ah ouais, donc ça achète direct. Acheter en masse. Ah... On va enlever le poison vu que on n'a pas de problème de poison ici. Très bien. Non, pas ça que je vais faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Que je réfléchisse. Ouais, utiliser les masques, je vais voir ce que ça fait. On vous ramène à la sœur, d'accord. Merde. J'espère que c'est elle, du coup. C'est bien. Enfin, c'était un peu à deviner, mais bon, fallait être sûr. Ok. Yes, la masse, elle est là. Allez, c'est parti pour un boss. Alors... Bienvenue. Merde, enfoiré. Quelle merde. Quoi? On a bien vu que ça m'a touché avant, hein, avant le mouvement. Là, on a bien vu.
tuer. Il m'a brûlé. Waouh, le feu il fait masse de dégâts. D'accord. Okay. Bon, on va recommencer. Loupé. Bien joué. Mal les dégâts. Pas qu'on se fasse enflammer en fait. Ou alors faudrait mettre un régène pour contrer. Pour être sûr de pas trop avoir de problème. Allez, on va en mettre un. On devrait pouvoir se le faire là. Ça va, il a plus le feu. C'est bon. Bon ben voilà. On n'avait même pas besoin, honnêtement, du buff. Il y a de la vie. Ah, du coup, on va voir si la masse vaut le coup. Je sais pas. Honnêtement, les armes lentes, ça m'a gavé. Après, celle-là, elle fait du... Elle a l'air de pouvoir se buffer en feu. Alors, les cendres s'envolent de la tête ardente de la masse. Voilà. Ouais, c'est pas... Ça prend beaucoup... Ça a l'air de pas prendre tant de... d'endurance que ça, en fait. Ok, ça a l'air bien. Et pourquoi j'ai la lame, j'ai pas la lame du martyr à la place, sanctifié. Ah oui non, martyr c'est la grosse, sanctifié c'est... Ouais, ok, on va tester. Perhaps it's time to make... Ouais, on fait voir, ouais, on a rien par contre. Ouais, on va sûrement trouver les objets ici. On peut pas l'augmenter non plus du coup. Waouh, ok, le R2 est ultra lent quand même.
pas très fun, pas très fan en fait. C'est con, c'est que on n'a pas d'objet pour se l'équiper. Pour équiper la masse, on va aller la récupérer. Enfin, on est d'accord que l'objet, on les récupère pas automatiquement. Hein. Non, on n'a pas la masse. On va prendre la masse. Ok. Bah du coup, bah j'ai rien dit. Bon bah, on n'a pas la masse. Qu'est-ce que je vous dise, moi. Un peu bizarre leur système. Hein. Bah en fait oui non, c'est, en fait c'est un échange et là j'ai utilisé un objet pour récupérer mon arme donc du coup c'est normal. C'est pas grave, c'est con. C'est con en fait ce système. Waouh, regarde-moi ça. Trop bien. Ça pète ça j'imagine. Par contre on dirait qu'il y a un passage. Ouais, on dirait qu'il y a un passage là. Bon, cet endroit a l'air sympa pour le moment. Ok. Ça me dit rien qui vaille. Alors, oh mon dieu, encore plus petit s'il vous plaît. Les écritures. Victime de toutes les maladies ayant consumé les siens, Imrod, le dernier des machins, se traîna devant l'immolation. Il assista comme vous assisterez un jour à la flamme consacrée et vivante, toujours en mouvement et en se nourrissant tandis que les contours s'écaillent en des torrents de cendres. Donc, on va aller en bas, on va voir un peu en bas. Ouais, bon bah je suis déçu de l'arme pour le moment. La masse. Après j'imagine que les deux attaques ça va être genre un buff. Qu'est-ce qui se passe? Ah! On va avoir un nouveau corps. Ou pas. Ah si! Le buff du feu j'imagine. Mais s'il a planté ses graines et s'en est allé, il sent la recherche d'une utopie qui ne peut exister. Charmé puis oublié, s'étouffant avec le nectar de faux dieux, à quel point seront-ils arrogants quand ils auront consommé ce poison? Genre première attaque buff de feu. Je suis quasiment sûr de ça. Et après, je sais pas, genre une AoE de feu j'imagine. Ah mais du coup j'ai pas la masse, eh oui. Du coup on n'a pas la masse, donc on peut même pas l'augmenter, c'est bien. À moins qu'elle réapparaisse. Ouais, non. Donc non. Bon c'est pas grave, on continue. Après, les dégâts de feu ont l'air de faire beaucoup plus mal que les dégâts de poison. Mais bon, s'il faut à chaque fois, genre deux crans pour buffer l'arme, c'est un peu chiant. Là, on a deux attaques. On a une AOE et une attaque à distance. Donc bon, je veux pas dire, mais pour le moment, ça gagne.
nous permet de faire ça. Ça fait du poison aussi, hein. Pas oublier. Donc niveau dégâts, ça va. Je crois qu'on est un peu OP ici. Honnêtement, je pense que cet endroit, on aurait dû le faire en premier. En gros, récupérer les armes et récupérer... les carcasses, c'est un peu le début du jeu, je pense. Je vais être honnête. Du coup, c'est ce qu'on aurait dû faire. D'accord. Allez, fais l'attaque! Putain de merde! Voilà, on a un peu merdé là par contre. Après, il y a un truc aussi que j'aime pas, enfin encore, hein. Encore une chose que j'aime pas, c'est la vie. Ah tiens, on est ici du coup. C'est la vie des ennemis. Elle est mal positionnée. Parce que le cercle, il est en plein milieu, il est rouge, très fade. Donc honnêtement, la plupart du temps, je le vois pas. Genre sur des ennemis comme ça, ça va. Mais quand c'est des gros ennemis et tout, c'est genre transparent. Quoi. Coche de bronze. On peut faire ça. Très bien. Quoi ce bordel? Tu viens de me brûler? Tu viens de me... Ah d'accord, ok. Ah ouais! Ah ouais, la distance quoi. C'est bien, on va utiliser toute notre vie. Truc sympa et on va utiliser. Ça va, t'as kiffé? Voilà, c'est pour ça que cette arme pour le moment elle est cool. Elle est plutôt sympa. Non, en plus ça empoisonne le piqué. Bah ouais, c'est logique, mais ça, c'est un peu abusé quand même. Merde, c'était le mauvais. Putain de jeu qui... Jeu qui cible mal les choses. J'imagine que le combattre
de près, c'est une mauvaise idée. J'imagine qu'il doit cracher de la... Ouais, il a l'air d'avoir de la lave. Honnêtement, à côté de lui. Attends, je veux pas que ça me pète dans le... dans la tête, ça. Donc là on a sûrement une des meilleures armes pour combattre. Attends, on va peut-être pas aller dans un endroit comme ça. Ça a l'air d'être genre une zone de boss. Je dois bien récupérer de la vie par contre. Ah putain, on a encore des trucs. Qu'on avait... Oh, putain, c'est débile. C'est débile. On a un truc contre le feu ou pas? Pas vraiment. Je croyais qu'on avait deux crans, en fait, non. Ah, je vais pas avoir deux crans. En fait. Faire ça. Vas-y, recrache ta merde. Ah putain! Là aussi, ça a fait de la merde. Honnêtement, là, ça se passe bien. Il y a notre vie, pas notre vie, nos objets de soins. Ok, c'est un raccourci. De soins qui commencent à diminuer, par contre. Va pas me faire chier. Il y a toujours la zone large là. Oh, acide encore. Découverte qu'on devrait aller voir. Du coup, je sais. Ouais, ok, d'accord. C'est pas par là. Bon, bah, c'est la zone ouverte. La suite. On l'a fait, c'est un cul. Ah oui, non, c'est un raccourci. Bah, du coup, oui, par là. On peut même aller augmenter notre arme en fait. Ah, mais c'est loin. Attends, c'était par là, je me rappelle plus. Ah, bah non, là, on est sorti. Ah, oh, bah, pff, ouais, on va en profiter. On va aller augmenter notre arme. C'est un peu bête hein, pour le jeu quand on y pense, parce qu'il y a 4 armes de ce qu'on voit. Bon, il a pas l'air d'en avoir d'autres en fait. Ah tiens, on peut augmenter ça. Les effets de soins. Ouais. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres en fait. Genre en gros, il y a 4 classes avec les carcasses et il y a 4 armes.
Ah. Après, peut-être que il y a des trucs avec des DLC, j'en sais rien, mais en gros, c'est ça. Donc, on est grave limité en fait. Normalement, ça a pas fait réapparaître les monstres. Non, on est bon. Du coup, on est grave limité en fait. Donc, pourquoi faire 3 des armes, c'est des grosses armes lentes quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais, l'épée à la limite, là, l'épée de départ, on peut dire qu'elle est moyenne. Après, on a une grosse masse. Et une grosse épée, une clé mort. Et là, on a qu'une seule arme qui est rapide. Enfin, je sais pas. Ouais. J'aurais fait ça autrement, perso. J'aurais fait ça légèrement autrement niveau armes. Alors attends. Oh. On est venu là? Non. Ah. Fichu de Thiel. Ah putain. Oh la vache, on a échappé au feu. Non. Ah bah oui, on... ça nous a compté en fait. Ça nous a compté le champignon. Bon, j'ai cru qu'on allait récupérer un corps, mais non. Ça, il nous en manque toujours. Hein. Ça valait pas le coup. Après, je veux pas dire, les esprits là, ont la même gueule, ils ont un skin différent. Il y en a qui font des du feu, l'autre il fait... je sais pas, des pics. Voilà quoi. C'est pas très varié tout ça. Ah putain. Ah mon dieu. Okay. Il va me tuer hein. M'étonnerait qu'on se fasse attaquer et elle est là. Ah, on est bon. You look parched, foundling. Curious how even a creature like yourself must endure the indignities of the flesh. Such burdens are discarded in these chambers. These disciples are a gruesome sort, but you must admire their conviction. Did you know that beneath their hoods and veils, there's nothing much at all? Just scraped bone and tattered sinew. Packed with the sacred ashes. It has a certain allure. Asceticism is not far from vanity. Now let us sate your thirst. Unless... you're also foregoing your primordial desires.
C'est bête qu'on peut pas genre acheter de la vie. Ce serait vraiment cool. Par contre, ouais, les lueurs, du coup, ça nous sert vraiment plus à rien, parce que les lueurs, c'est pour les carcasses elles-mêmes. Il y a que le goudron, en fait, qu'il faut garder. Ouais, donc c'est vrai qu'on peut vraiment tout dépenser en lueurs. Parce que j'étais en train de me demander, on devrait en garder et tout, mais en fait, non, pas du tout. C'est plus utile. Comme ça. Contient 3. Ouais. Genre en gros là ça serait genre acheter avec des lueurs pour pouvoir utiliser des lueurs mais sur une autre carcasse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, tiens. Ça, c'est un. Je t'en fais un deuxième aussi. Voilà. Ça va? Mais ouais. T'avais pas qu'à utiliser du feu, hein. Honnêtement, c'est un peu triché. Ah mais désolé, hein, mais cette arme, elle est OP en fait. Hein. Enfin, elle est pas OP, mais c'est la plus utile de toutes en fait. Rien qu'avec ça. Ça doit être raccourci. Ouais, un raccourci. Bien, il a pas du tout. Ciblé la bonne personne. Oh, pierre éveillée. Cool. Je crois qu'on a les. Oh. On a les deux attaques de la masse, je crois bien. Ah ouais, carrément. Voilà. Je crois bien qu'on a les deux attaques de la masse. Ah, je t'avais pas vu. On a encore un machin. J'aurais dû me mettre en pierre, comme ça, ça on aurait fait l'attaque, la zone, et on aurait récupéré un... Attends, est-ce qu'on peut le faire sur lui s'il vient? Ah, il va sûrement pas venir. Ah, il va nous brûler, ça va être relou. Vas-y, ramène-toi. Tu fais mal avec ton feu, t'es relou.
parfait. Même avec toutes ces attaques en fait, tous ces coups, j'ai quand même encore de l'endurance pour esquiver. C'est... Ouais, non, c'est OP. Ah, on est déjà à un endroit de glande. Okay. Par contre, j'ai vu, ouais, un endroit. Un coffre. Putain de jumpscare quoi. Ah putain. C'est bon? Is a tainted vessel fraught with impurities. I do not miss it. Well, perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh. I once thought we were alike. These disciples and I. Wayward soul. Consecrated by ragged edge and raging flame. They seek only to be one with their immolating god. I pray that you do not find yourself upon the pyre. J'aurais bien voulu un truc qui donne du goudron. Genre une cloche. Bon bah c'est parti. Je pense que ça, ça aurait dû être le deuxième boss qu'on fait. Ah, t'es stylé. Ah, ça c'est une masse. Ah, il va me casser les couilles avec le feu. Oh, les dégâts. Il y avait le feu qui était pas en synchronisation avec la masse. Ouais, t'as sûrement une phase 2, non? Ah putain de coup, tu es à la merde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va me le balancer dessus. Lueur d'annihilation. Ouais, c'est bon là.
Ouais, je pense qu'on aurait dû... c'était sûrement le deuxième boss, ça. Le premier, c'était quoi? Le mec de glace, je crois? Je me rappelle plus trop. On l'a défoncé. Bon bah, Solomon, honnêtement, il a vraiment le bon boulot pour ça. Glande enflammée, yay. Hop. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé à chaque fois d'avoir la glande et tout ça, elle s'allume et tout, c'est marrant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Your triumph is nothing short of miraculous, Foundling. That sacred gland in your hands holds the purest sacrament. The true nectar inside is not meant for you or I. And yet, it is all we hunger for. Whether lost or devout, such a rare gift arouses covetous desire. Remain wary and keep it close. Ouais. 4000. Attends, je t'ai parlé, j'ai pas eu de... On a de la vie en plus. Mais j'ai pas eu de détermination. Si on faisait ça aussi. Elle nous regarde. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Poing. Ouais, non, comme je disais, un Solomon, il a le bon boulot. Hein. Il a le bon rôle pour les glandes. Waouh, cool, on peut choisir la musique maintenant. Ok, bon ben on va sortir, on est dans la brume. Peut-être qu'on doit... Ah ben, oui, du coup on va faire le chemin inverse, complètement inverse, dans la brume. Donc on a plein de coffres à ouvrir, on a plein de trucs. C'est sympa. Est-ce qu'on pourrait se buffer? Si vous êtes touché alors que vous êtes en forme endurcie, vous gagnerez un bonus de réduction sur les prochains dégâts subis. Ouais... Perte de cœur, montrant après la mort, ouais... Empoisonne l'ennemi en cas de réussite. Parade, enflamme l'ennemi en cas de réussite. Octroie de la gain de détermination, si on s'en fout un peu. Prochaine parade, octroie de la vie. Ouais, c'est pas... C'est que de la parade, en fait. Allez, on y va, Solomon. C'est Solomon ou Salomon? Salomon, je crois. Allez, c'est parti. Ça, ce côté-là où le monde change et tout ça, j'aime bien. Mais... genre la tour, en fait, elle est très mal faite de base, en fait. C'est le level design de la tour qui est débile. Qui est vraiment nul. Surtout que les ennemis, on peut tous les esquiver, ils sont nuls quoi. On crève plus. Dans les Dark Souls, en fait, c'est ça. C'est Dark Souls, si on rush, on meurt. La plupart du temps. Si on connaît pas, je parle. Si on rush, on meurt. Si on esquive, on meurt. Si par contre, on prend son temps et qu'on combat les ennemis un par un, là, ça va. Ah putain, il y a des trucs. J'ai envie de les zapper, eux. Truc derrière moi? Non, c'est juste le son qui est débile. Alors que là, c'est un peu l'inverse en fait. Ouais, alors attends, on va pas les combattre.
Fais l'attaque, fais l'attaque. What? Il a... Ok, d'accord. Fais pas l'attaque alors. Qu'est-ce que je te dise? J'imagine que j'avais pas assez de machin, de détermination. Alors du coup, on a les raccourcis. Ah putain, le feu. Deux crans, ça va. C'est bien parce qu'on a... On a... On a pris le temps en fait. Waouh. On a pris le temps de faire le tour du niveau. Du coup, on a le raccourci en fait. C'est un peu la merde. Non. Ça ne va pas brûler. Oh, on a récupéré notre truc déjà. Ciao. Ah mon dieu, on l'a fait glitcher et tout quoi. C'est la meilleure arme. C'est la meilleure arme. Y a pas photo. Attends, à chaque fois j'oublie ce que ça fait ces petits trucs. Prochain dégâts subis, ce qui est aussi sont convertis en santé. Ok. Ouais, c'est les plus intéressants. Alors, oui, bah du coup, non. On n'a même pas dû se soigner, en fait. On n'a même pas dû se soigner. Ça va, là, c'est fun. Ouais, c'est, pas, c'est fun parce qu'on est un peu OP par rapport à la zone. Marrant. Voilà, zone de brume. Ah, du coup, par contre, on va prendre ça. S'il y a des trucs de poison là partout. Voilà, ça c'est bien. Ah, bien joué. Waouh, ok, on se... Honnêtement, je pensais que... On allait les défoncer, mais... J'ai un peu...
J'ai un peu oublié quand même que à 3 les machins ils font mal quoi. Ouais, les machins ils font quand même bien bien mal. Je sais pas si, je sais plus s'il y avait des coffres à gauche. Dans ma tête, j'étais en train de me dire pitié que ça passe, parce que là, on est avec une différence de terrain. J'avais tellement peur que ça passe pas. Oh putain de merde. Piège. Tape. Si en plus là on avait récupéré toute notre détermination. Du coup on pourrait aller farmer dans la brume. Enfin, je sais pas si... Ouais, ça donne beaucoup de points quand même. Et ça devient un peu la routine. J'ai envie de dire que les ennemis sont pas très puissants. On a 34 champignons là, anti-poison, donc ça va. Et je suis sûr qu'on a encore des coffres à ouvrir. Oh, mais on est déjà là en fait. C'est rapide quoi. Who would have thought one so naive could endure such hardship to deliver this final plan? Yet it is I who will ascend. And not those who are worshipped. Hand it over, and claim the honor to witness what's true. Éloigner la glande sacrée du prisonnier. Ouais. Stay back. I will not waste this divine gift. Ça va, on va te casser la gueule, c'est ça? D'accord. Pff,
Le truc il disparaît, y a même pas de cinématique, rien. Aïe 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 aïe. Alors fais voir. Ah, maintenant on a mis la pierre de fonderie, on peut l'allumer, c'est ça. Alors, t'as quand même activé une puissante capacité d'arme. Bah oui, on sait pas ce que ça fait, c'est bien. Et après, la masse désire du carburant plus concentré. Ouais, c'est une AOE de feu, quoi. J'aurais bien voulu avoir ça, là, les outils. Toi, t'as quelque chose à nous dire ou pas? So, do we... Non. It's not an easy hunt. Qui l'eût cru que la personne qui nous aide devient le méchant? Qui l'eût cru? Welcome, shall we? Surely there's something you'll fancy. Alors, grands carreaux. Ah tiens, on peut acheter ouais les, ça. On peut acheter ça. Prendre. Sans goudron, régénère 35 de santé. Bon, 10 secondes. Ah ouais, on peut. Ah du coup, on peut stocker sur ça. Et ça, c'est quoi? C'est l'endurance. Augmenter notre arme, on va le mettre au max. Voilà, y a rien qui s'affiche. Non. Du coup, on a toutes les armes. Ah, on peut voir la masse que ça fait. Du coup, le corbeau, il est où là, le maître corbeau là? Alors, on peut voir un peu. Ah, 10 de dégâts. Elle est horrible cette attaque. Le R2 comme ça de base là. Ça. Ouais. Bof. Enfin oui, j'ai envie de dire oui. C'est... Oui, c'est sympa, mais bon. Ah bravo. Oui, c'est sympa, sans plus. Du coup, moi, je sais pas où je vais en, là, en fait. On va retourner où il était. On va parler à notre copine déjà. Voir ce qu'elle nous dit. Tu as mal fait. Tu as libéré... Ah là, on pourrait ouvrir le coffre direct. Tu as libéré le déluge. Il
Bah, les yeux que je te dise, hein, je connais pas moi. Le mec il m'aide depuis tout à l'heure. Après, il y a quand même une zone. D'accord, elle s'en fout. On a quand même une zone qu'on n'a pas découverte. Hein, s'il nous manque encore un corps. Ah, bah tiens, oui, c'est vrai qu'on a la cinématique. Ah, cette tour là, on n'y est pas allé. Enfin, si, on y est allé. Ah, mais je l'ai loupé en fait. J'ai dû passer complètement à côté. Il devait être juste à l'entrée en plus. Ouais, c'est là, c'est à droite, c'est le pont tout droit là. Il y avait même un mec après les escaliers et tout. Ouais, d'accord, donc ouais, j'ai complètement loupé le corps. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire peut-être une excursion. Allez, on va essayer de le trouver. Il y a encore un coffre ici. Après, on fera une petite séance brume aussi. Oh là là, c'est par où hein. Faut retrouver la tour. Retrouver la tour. Attends, ça nous donne la détermination quand on tape les cadavres. J'y arrive plus. J'ai l'impression qu'on a encore un peu le temps de les taper et je crois que ça nous donne la détermination. Peut-être. Ok. Peut-être à gauche. Bah ouais, salope. Non, putain, mais je déteste quand ça fait ça. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est relou? Ah, maintenant je vais lutter pour me remettre de la vie. Bien joué.
va nous tuer, hein. Bon, au moins on est full vie. Puis au fur et à mesure qu'on tuera des trucs, on va récupérer notre vie. Je sais pas si je couperai honnêtement, parce que pour trouver la tour, bah, je lutte un peu en fait. Donc je sais pas trop. Ouais, je sais pas où aller. C'est con. Ouais, ça augmente mon endurance. Non, ma détermination, pardon. Ah, c'est débile. Hop là, 2. Ah, au bout d'un moment, il disparaît. Bon, ça va, c'est pas... c'est pas de l'exploitation. Hein, du coup, on est de retour là. On va aller là-bas, dans cette direction. Si on pouvait avoir une indication au moins. Là, c'est qu'il y a la bestiole, donc c'est là ou pas? Je me rappelle plus. Peut-être là. Ah, je sais pas. Non, c'est pas ça. Ouais, je sais pas. Merde.
Oh, ça y est. On a trouvé la tour. Waouh, un coup de marteau sans. On est de retour à la tour, donc il doit... Eh, il est juste là en fait le corps. Ça nous aurait peut-être pas mal aidé en fait. Ça aurait peut-être pas mal aidé d'avoir ce... On va voir ce que c'est. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans les commentaires. Ouais, t'es passé à côté de... En plus, c'est vrai qu'il est, il est voyant, mais bon, il y a tellement de cadavres partout. T'es passé à côté d'un... corps. Ah, il est stylé lui. C'est encore un truc avec plein de vie et pas d'endurance, c'est ça? Voilà. Oh putain, c'est abusé, c'est débile. C'est débile. Non mais sérieux quoi. Ah, il a une roulade. Ah, c'est marrant ça, tu vois. Ah. Genre il a une roulade basique quoi de à la Dark Souls quoi. Alors que les mecs, ils ont des trucs un peu spéciaux à chaque fois. Lui, il a tout simplement une roulade. Alors qu'il est en armure extrêmement lourde. C'est celui-là qui a le plus de vie. Ouais, d'accord, OK. Zéro logique, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va voir un peu ce que... Par contre, la roulade ne consomme quasiment rien, ce qui est bien. Je vais être honnête, on en revient encore un peu au même problème qu'on avait avec Solomon en fait. Ouais, c'est un bourrin, c'est un tank et tout ça. Lui, ça doit être encore pire en fait. J'imagine que c'est Solomon plus 1 quoi. Où il prend beaucoup moins de dégâts et tout, mais il a pas d'endurance. Donc utiliser une arme lourde, non quoi. Non. Après, j'ai un petit fait pour ce moment parce qu'il a plein de détermination. Alors lui, il en a que 3. C'est pas mal, hein, mais l'autre, il en a 5. Je crois. 5, ouais, Solomon de base. Ou 6. Sip this. Donc, ouais, un peu mieux, ouais. Et merde. Plus intéressant, on va dire. Pour notre façon de combattre. Mais on va voir lui, les habilités. The Overt made promises of an end to war and human suffering. Promises all were desperate to hear, myself not least, for I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in their book. Swearing myself to the deathless doctrine. My armor clattered on the ice as I knelt before them and asked myself if I would ever be worthy. Alors, Erdrim, le vénérable. Alors,
Gagne une exécution à chaque ennemi tué. Chaque exécution cumulée augmente les dégâts de l'attaque de base. Vous le perdez si vous vous séparez d'Eldrim. Quand vous vous séparez d'Eldrim. Ah, donc c'est un truc qui reste en fait, constamment. Donc ça augmente les dégâts juste de base, quoi, quand on tue des ennemis. Donc c'est bien. Après, PV max ennemi augmente de 15%. D'accord, déjà que c'était super grand. Les attaques ennemies infligent des dégâts supplémentaires d'équilibre, hein, faisant chanceler les ennemis plus souvent. Alors ça peut être intéressant avec des grosses armes, du coup. Parce qu'on a vu que des fois, en fait, ça marchait pas. Donc peut-être que là, oui, là, ce serait à 100%, ce serait intéressant. Ils infligent des dégâts supplémentaires contre les ennemis seuls. Ah ouais, le mec, c'est un gros DPS. Eldrim a une chance de résister au chaos. D'accord. Eldrim reçoit un bonus qui réduit les dégâts subis de 5% pendant 10 secondes lorsqu'il tue un ennemi. C'est bien aussi. Lorsque vous récupérez Eldrim, votre prochaine attaque inflige des dégâts importants, ne laissant parfois de vos ennemis qu'un nuage sanglant. Lorsque vous récupérez Eldrim, genre quoi, quand on est tué et qu'on revient dans son corps? Et après c'est quoi? Alors, la taille massive d'Eldrim crée un souffle au rayon d'action plus grand et plus puissant. Ouais, c'est pas... Je sais pas. Bon, on a lui, Aros, c'est pour... Ah putain de merde. Putain, faut vraiment qu'ils s'inversent. Enfin, ils ne feront jamais, mais il faudrait inverser ces touches. Hein, c'est débile. Genre, pour moi, RT, c'est les grosses gâchettes. Hein, c'est comme R2 et tout ça. Pour moi, ça, c'est pour changer de catégorie. Genre, inventaire, enveloppe, compendium. Ça serait pour ça. Et après, les petites, donc les R1 par exemple, les petites, ça serait pour aller dans les sous-options. Vous voyez ? Pas l'inverse. Donc, pour moi, c'est logique de faire ça. Mais bon. Lui, là, c'est augmente les chances pour les lueurs. Ramasser une lueur, une chance de regagner de la santé. Bon, ça, ouais, bof, c'est pour tuer les gens, quoi. Pendant une courte période, après l'endurcissement, les ennemis tuent une chance de donner de les lueurs. C'est beaucoup de lueurs, en fait. Donc, ça aide pas vraiment pour le combat, j'ai envie de dire. Après, oui, bon, il a l'endurcissement qui revient plus vite. Mais c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Après, on a notre Thiel, le voleur, là. Alors, lui, bon... il est bien, parce qu'il a beaucoup d'endurance et tout ça. Il est agile et tout. Et il fait du poison. C'est pas mal. Solomon... J'ai envie de dire que c'est le plus le plus intéressant. Le truc des glandes, là, c'est vraiment cool. Là aussi on est plus protégé, c'est vrai que quand on meurt, bah, du coup les ennemis en fait restent en pierre, donc ça c'est bien. Détermination quand on parle à NPC. Change de restaurer toute la détermination en tuant un ennemi avec la riposte automatique, ça c'est pas mal aussi. Puis une petite quantité de détermination parce qu'il est frappé sous forme endurcie, c'est bien aussi. Change de soigneur skill, utilise une capacité d'arme pour tuer un ennemi, ça aussi c'est bien. Ouais, lui il est vraiment bien. Par contre, je sais pas ce que c'est ombre. Je sais pas ce que... après, lui, la vie n'est que souffrance. Ah, bon bah, ouais, je le prends. Le mec il dit la vie n'est que souffrance. Désolé, mais je le prends. Ouais, bon, on va le prendre. On va l'augmenter. Exécution à chaque ennemi tué, donc en fait on va taper plus fort, donc en gros on peut one shot plus facilement, donc lui à la masse peut-être, ça pourrait être pas mal. Bonus de réduire les dégâts subis de 5% pendant 10 secondes dans ce qu'il tue un ennemi, ça aussi ça peut être pas mal. Change de résister au chaos, j'ai envie de dire que lui, ouais. Bon là par contre on va lutter, hein, parce que... Solomon, il est vraiment cool avec les armes rapides, en fait. Genre de pouvoir balancer les pieux de loin et tout, c'est vraiment stylé. Là, on a que 3 crans. On va l'augmenter. On va l'augmenter, notre Eldrim. On va voir. Et on va voir pour les armes.
Non, toujours pas. Pas comme ça. Alors, usage illimité. Épée sanctifiée. Oui, c'est ça. Marteau et le burin. Non, moi je voudrais la masse. Voilà, masse. Et le marteau et le burin. Du coup, on a une... une arme rapide. Et on a une arme, la masse, la lente, là. Enfin, pourquoi prendre la masse plutôt que les autres? Parce que la masse, elle fait du feu. Ouais. Bah, c'est pour ça, en fait. Elle consomme moins d'endurance aussi que la grosse épée. Donc, ouais. Par contre, il nous faut de les lueurs. 15... Voilà. Peut-être un peu exagéré en fait, parce qu'on n'a pas assez de goudron, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça. Ah, il va à chaque fois parler. Oh putain. The wardens seized me in the morning. I did not resist. The Elvet proclaimed I was unfit and impure. But I couldn't focus on the verdict. Beneath the shadow of the Immaculate, I felt no pain. I swelled with pride as my eyes beheld her inscrutable form. She was the last remnant of an unquestionable grace, lost eons ago. Okay. Dégâts supplémentaires quand contre les ennemis seuls, c'est pas mal. The impoverished souls waited for judgment. Their heads were bowed, lips moving as they recited the martyr's hymn. My blade fell upon the first neck, but bone and sinew held fast. By the second blow, the remaining devout fled into the dark. J'aime bien sa voix aussi, c'est marrant. On va augmenter la vie aussi, parce que pourquoi pas, on est bourrin. They say that beyond the ice, the old world is preserved. No war, no famine, no suffering. Eternal peace, shielded by their unwavering sovereignty. A lineage that spans centuries. Why should I not be counted among the privileged? Peut-être parce que t'es une grosse brute qui tue les gens, ça peut y faire aussi. Alors, gagne une exécution à chaque ennemi tué. Ah oui, ça c'est bien ça. C'est un bourreau le mec. The beauty of devotion is the excision of doubt. It's true freedom, unburdened by the fears of lesser creatures. Deliverance from guilt and shame. There is no need for the agonies of the living when ascension awaits. Par contre, j'étais en train de me dire, on n'a pas, on va pas pouvoir augmenter notre arme. Une chance de résister au chaos. Dégâts supplémentaires d'équilibre, ouais, ça, c'est bien. I waited as Yovid prostrated herself before the altar. Something shifted. A shadow moved just at the edge of my vision. I turned my head, but I only found another corner of the empty cavern. The wind picked up, and the Ovate raised her head. The martyrs are here, she promised. Et on est bon. Ça va? ouais, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à lui? Oui, il y a notre arme qui est niveau 1, par contre. Oh, attends, on n'a pas de...
J'aime pas comme il tient la masse quand il court à deux mains. Enfin, quand il court, il la tient à deux mains, là, j'aime pas. On peut pas l'augmenter et surtout, on peut pas acheter de ça, là. C'est 1500, je crois. Ça me fait marrer qu'il ait juste une roulade, lui. Je trouve ça super drôle. Ouais, non, ça va, un niveau... mieux ça. Enfin, on va dire pour l'instant oui, après quand on aura augmenté la masse, ce sera autre chose. Mais moi ça me fait rire le fait que genre le truc le plus simple, la roulade, c'est ce qu'il est. Et honnêtement c'est sûrement hein, le truc le plus efficace en fait. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi ça me fait rire. Ça. Parce que la roulade... En plus elle, la portée de la roulade elle est bien. Hein. Ah, mais ouais. En tout cas moi je vais m'arrêter là. Ah non, la portée de la roulade elle est top. Hein. On est à 11. Attends. C'est infini? Genre l'augmentation des dégâts là? Attends. Erin gagne. Un exécution chaque exécution cumulée augmente les dégâts de l'attaque de base. Merde. Waouh, d'accord, trop bien. Donc c'est infini. Intéressant. On va faire de plus en plus de dégâts. Après, j'ai l'impression que c'était genre peut-être un dégât de plus quoi. Bon, ça peut être très puissant au bout d'un moment. Au bout de 5 siècles. Bon, on va s'arrêter là. Je vais tuer cela et on arrête. Je le ressens les dégâts en plus là, genre 119 dans la tête, ouais. Non, là ça vient vraiment du de son buff à lui là. Ouais. C'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu le mec fin de jeu qui est vraiment bien quand on l'a augmenté point barre. Avec un combo, je commence à faire très mal. Ah, c'est vachement bien. J'aime bien. Ça c'est entre Solomon et lui. Eldrin. Pour l'instant, on va garder lui. On va le garder jusqu'à ce qu'on l'augmente au max.
Et si jamais on a du mal, on le changera, on reprendra Solomon. Mais il faut absolument qu'on aille farmer en fait du goudron et qu'on... merde, qu'on augmente la masse. Parce qu'on peut pas jouer là sans la masse au niveau max au moins. On est d'accord que c'est bien 1500. C'est infini, hein, on n'a pas besoin de... Genre d'en trouver, genre les objets ils sont pas limités dans le monde. Quand même. Mais de toute façon là je crois qu'on a fini le jeu hein, de toute façon. Donc le jeu est quand même assez court. Welcome back. Shall we? Surely there's something Ah, il en a qu'un seul en stock. Ah bah merde alors. Ouais. Je sais pas. Bon, on verra. La prochaine fois, on fera une session brume. Ouais, on fera une session brume. Il y a sûrement un endroit qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas trouvé. Ah, c'est là qu'on peut aller combattre le boss de fin? J'en étais sûr. Entrée trou. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait. Pourquoi pas? Allez, on va faire le boss. On va le faire comme ça. Ben, je sais pas si c'est le boss de fin, j'imagine que oui. Après tout ce qu'on a fait. On va voir un peu. Mais du coup, oui, on s'en foutra de faire la brume, quoi. Je sais pas, on va voir. Il y a peut-être un donjon énorme. Hein. Ou pas. C'est dégueulasse. C'est con parce que notre Eldrim il est pas au max. Hein. Ah tu voles? Ouais non, tu voles pas. Pardon. Le déchaîné. Ow.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Il faut plonger. J'aime pas trop ce bruit. Oh, c'est quoi ça? Ok. Bien. Je vais être honnête, j'aime pas du tout le coup de l'eau là. Ça me stresse à mort qu'on combatte dans l'eau. Ça me stresse à mort qu'on combatte dans l'eau. Putain de caméra de merde. Ouah, ok. Ragdoll. Ce qui est marrant, c'est que ça me rend de plus en plus puissant en fait de tuer les trucs comme ça. Qu'est-ce que... Oula! Ça me stresse de combattre dans l'eau. Faut pas que je me... que je fasse attention. Faut que je fasse pas attention en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère de la vie quand il les bouffe ou pas? Je crois pas. Ah si. Merde. Après quand il est de loin, on peut faire le... On peut faire l'attaque de loin avec ça.
Putain. Oh la pute. J'aime pas du tout. Combattre sur l'eau. Across the threshold. I see nothing now. Nothing at all. Thalassophobie. Hein. Extraire la glande. Cool. Attention, lorsque vous extrayez la glande du Père Sombre, vous pouvez choisir de vous élever. L'ascension met fin à votre temps dans le royaume des mortels, vous vous éleverez et recommencerez votre aventure à Fulgrim en mode New Game Plus. Si vous souhaitez ne pas vous élever, les données de sauvegarde resteront intactes et vous retournez à Fulgrim. Ouais, moi j'ai envie de dire on a fini le jeu, allez. Bah, lui il est vraiment bien comme perso pour les boss. Il est vraiment puissant. Après la question c'est est-ce que le New Game Plus est bien? Est-ce que c'est seulement genre on recommence avec tout ce qu'on a et puis les ennemis restent comme ça ou ils sont plus puissants? Ou est-ce qu'il y a des objets en plus? Après du coup ça serait logique qu'il y ait dans le marchand qu'il y ait les trucs d'acide là limités. Parce que du coup bah en fait pour augmenter le reste des armes bah il faut faire New Game Plus en gros. Bon bah c'était Mortal Shell. C'était Mortal Shell. On va passer. Désolé, mais les crédits, j'ai pas vraiment envie de les regarder. Mais ouais, qu'est-ce que dire sur ce jeu? Bah honnêtement, je le trouve très moyen. Je pense que le pire des moments en fait dans Mortal Shell, c'est la tour. Je crois que la tour, honnêtement, a été très 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 mal faite. Je pense. Pray. What wayward spirit beckons? Oh, it's you. Welcome back, foundling. Yes, yes. It's all happening again. This is the burden of immortality. Toil without end. Our spirits fragmented by the profane eternities. But there's comfort, even a certain pleasure in ritual. Where were we? Oh, yes. Sip this and you'll see. Yes, taste the truth. Ah, c'est le divin cette fois. On a 1700, on va prendre résister au chaos. Sacred rites remain closed to me. I'm unworthy of the venerated nectar. But I will prove myself. These sniveling rats who bow and scrape will never be enshrined. They have neither the will nor the strength to accept the deathless doctrine. Cool. Ouais.
Putain, c'est même resté, on est à 52 quoi, c'est abusé. Je pense que ce jeu est quand même très moyen. Je pense que ce jeu est très moyen. On peut zapper ça. It's been so long since. Et je pense qu'il aurait pu être mieux. Il y a quelques trucs qui pourraient être changés pour améliorer le jeu. Il y a pas mal de choses qui pourraient être changées. Je sais plus s'il était à 60 euros. Je crois qu'il était à 40 quand il est sorti. Je vais donner ce que je pense du jeu, maintenant, je vais un peu dire. Je crois qu'il était à 40. S'il était à 40, ça va, ça passe. Le jeu, il est un peu court. En fait, c'est pas qu'il est court, c'est que il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a 3 zones. Et c'est à peu près tout. Où est-ce qu'on va maintenant? Il y a 3 grosses zones. 4 grosses zones, peut-être. C'est pas beaucoup, mais à la limite ça passe. Par contre, le truc qui est merdé, c'est la tour. La tour est abominable. La tour est très mal faite en fait. Parce que comme j'ai expliqué plein de fois en fait pendant le let's play, c'est que le gameplay, il est pas... précis. Il est pas, enfin, il est pas 100% précis. Ça va. Le gameplay, il passe. Honnêtement, c'est passable. C'est très passable. Mais il a beaucoup de problèmes. Genre le changement d'angle de caméra qui merde. Le lock qui merde. Les attaques spéciales qui sont automatiques. Genre par exemple, quand on fait ça, quand on contre, hein, c'est automatique. Après, la contre-attaque, ça merde. L'attaque aussi à l'épée, l'épée de base là qu'on a, aussi pareil, des fois je loupais l'ennemi, l'attaque sautée aussi, à cause du tracking en fait, du personnage, il y a ça, le système de ragdoll des fois qui est un peu absurde, on a eu des bugs comme ça, enfin c'est même pas des bugs j'ai envie de dire, c'est juste le jeu qui est pas optimisé, c'est juste le cœur du jeu qui est comme ça. Ah tiens, on l'a remis à zéro, putain c'est le connard. C'est le jeu qui est comme ça en fait, c'est pas optimisé au maximum, ça aurait dû être. La caméra, genre je vois pas pourquoi la caméra, elle se dé... enfin le personnage il est décentré par rapport à la caméra. Genre ça par exemple c'est débile aussi, ça c'est débile. Voilà, il y a des trucs comme ça en fait, c'est très très con, très 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 con. Et c'est un problème, c'est honnêtement un problème. Et je pense que le jeu aurait pu être tellement mieux avec un gameplay un peu plus peaufiné quoi. Pareil, les ennemis qui se suicidaient, on a eu des ennemis qui complètement se suicidaient en fait. Ils nous repéraient, après ils se mettaient à marcher et ils allaient dans le vide. Donc là, je sais pas ce que c'est le pathfinding qui est merdé, je sais pas trop ce qui se passe. Et après, pareil, c'est en gros, on peut faire des zones juste en sprintant. Si on sait où on va, on fait des sprints, les ennemis en fait nous chopent jamais. Par contre, combattre les ennemis, ça peut être très dangereux parce que le jeu a ses lacunes en fait, a ses petits bugs, ses petits problèmes de gameplay. Donc ouais, c'est un problème, c'est un problème. Après, le coup d'avoir 4 carcasses là, honnêtement, il y en a, la première elle sert à la limite à rien, Solomon c'est la version améliorée, celle-là c'est la version complètement pétée, après t'as celui qui est rapide là, le voleur, bon c'est bien au début parce qu'il a beaucoup d'endurance et tout, c'est un peu ça qui fait le problème, mais honnêtement si j'avais eu ça peut-être dès le début je me serais beaucoup mieux débrouillé, j'aurais pas eu de problème. Les armes pareil, elles sont pas assez diversifiées, il y en a que 4 mais il y en a 3 lourdes, il y en a 3 lourdes et lentes et il y en a qu'une seule qui est rapide.
Et celle qui est rapide, en plus, elle empoisonne. Et en plus, elle a deux attaques. Elle a une AOE et elle a une attaque de portée, de lancer. Alors que les autres, c'est plus des buffs ou avec des AOE et tout ça. Donc là, l'attaque de lancer, c'est abusé, quoi. Donc ouais, c'est pas très balancé en fait dans les choix qu'on peut faire. Je vois pas vraiment quelqu'un utiliser autre chose que ça par exemple. À moins que vous vouliez vous rendre la vie plus difficile, voilà quoi. Parce que là honnêtement, ça c'était OP quoi contre le boss. Le boss on l'a démonté quoi. Enfin ouais. Donc ouais. Après, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un DLC. Je crois qu'il y a peut-être un DLC, mais je l'ai pas hein, sur le Game Pass. Il faudrait que je l'achète en fait. Mais ouais, je pense que le jeu aurait pu mieux faire les choses. Je pense. Je pense qu'il aurait pu mieux faire les choses. Et je comprends pourquoi. À la limite, pourquoi le jeu, les gens, ils ont vite zappé le jeu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le jeu, honnêtement, deux semaines après, on parlait plus du jeu. C'était fini. Hein. Genre, les streamers et tout ça, ils avaient passé à autre chose. Voilà. C'est un peu comme... c'était The Fallen. Lords of the Fallen. C'était un des premiers Souls games, en fait, qui n'était pas un Dark Souls, qui est sorti après Dark Souls. C'était aussi pas très bon. Faut que je regarde ce que c'est, Ombre et tout ça. C'était aussi très moyen en fait, parce que il y avait des armes qui étaient complètement abusées et que vous pouviez genre spammer R1 et vous faisiez des boss en 5 secondes quoi. Alors que si vous preniez autre chose, vous faisiez chier et tout. Hein, si vous voulez parer et tout ça, c'était chiant. Alors que vous preniez une grosse arme, vous faisiez R1, R1, R1 et ça marchait. Là, c'est un peu pareil, il n'y a pas trop de stratégie, j'ai envie de dire. Donc ouais. Mais après, ça reste un bon jeu. Est-ce que je le conseillerais? Oui. Pour passer le temps. Oui, ça vaut le coup pour passer le temps. Et comme j'ai dit, il est sur le Game Pass. Mais sinon, non, c'est pas... c'est pas un méga jeu, quoi. Mais ouais. Ah, on va voir le pigeon, là. Parce que j'ai une glande, en fait, mais j'ai la glande de... Tu peux voir ? You're back. Ah non, ok. Merde. I'm afraid I have little to offer you without a gland to prepare. Les hitbox aussi, on a vu pas mal. Si je mettais genre image par image, honnêtement, je vais sûrement pas le faire. Parce que j'ai pas envie, ça me saoule. Mais si vous regardez bien les certains combats contre certains boss, genre on se prenait le coup avant le mouvement du personnage avec son arme, avant le mouvement du boss avec son arme. Donc ça aussi c'était un problème. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Lueur de duplicité. Ouais, pour rien en faire. Donc ouais, c'est un problème. C'est voilà, c'est plein de petits problèmes en fait ce jeu. C'est merde, c'est con. C'est con. Bon en tout cas moi je suis content de pas l'avoir pris en fait, quand il est sorti. Parce que sinon j'aurais craché dessus. Là je le fais un peu moins parce que voilà. Parce que c'est du... De l'eau est passée sous les ponts, mais voilà. Mais ça sera tout. Est-ce qu'on en fera plus? Honnêtement, je pense pas. Ou alors un New Game Plus, vite fait. Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que ça vaille le coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, je pense pas y rejouer. Je vois pas vraiment l'intérêt, en fait. Après, oui, ça peut être plus fun, parce que là, on irait plus vite et tout ça, j'ai envie de dire. Peut-être. Mais c'est tout. Mais après, voilà, quoi. Bof. Il y a Surge 2, j'ai Surge 2 que j'ai récupéré aussi sur le Game Pass et je voudrais le faire, donc je ferai ça sûrement. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Et ouais, bah dites-moi ce que vous pensez du jeu et puis voilà. À la prochaine, ciao ciao, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao.